En cette période de confinement, le Parlement européen fonctionne au strict minimum. À distance, les députés essayent tout de même de faire avancer les dossiers. Je m'appelle Thierry Reinke, je suis une députée européenne allemande, membre des Verts, mais actuellement je suis à Bruxelles, je me suis placée moi-même en quarantaine, mais je poursuis mon travail. Je suis à la maison, je travaille avec ma tablette et mon téléphone portable. J'ai WhatsApp, j'ai Webnex, j'ai Skype. D'une seule voix, les eurodéputés rappellent que leurs travaux ne sont pas suspendus. Certains s'emparent des réseaux sociaux pour essayer de rester connectés avec les citoyens et les acteurs européens. Nous mettons en place des heures de travail en ligne pendant lesquelles je suis connecté avec ma circonscription. Sur les réseaux sociaux, nous avons aussi lancé une série sur le Covid-19. Je parle de la pandémie avec d'autres députés européens issus de différents États membres. Il y a plein de points sur lesquels nous devons avancer rapidement. J'espère que nous trouverons rapidement des solutions techniques comme le télévote qui nous permettra d'avancer pendant la crise et au-delà. Depuis plus de deux semaines, le Parlement européen n'est pas en mesure de tenir ses travaux habituels. Une session plénière extraordinaire est prévue ce jeudi. Les eurodéputés ne pourront pas voter à main levée ou avec les appareils électroniques face à leur siège. Pour la première fois, un système de scrutin par mail a été mis en place.